Le 19 mars prochain, près de 3000 femmes s'élanceront à l'assaut des dunes du désert marocain pour une grande course folle, le rallye Aïcha des Gazelles. Parmi ces futures candidates, une ancienne grande championne de ski, Carole Montier, qui participe à la course pour la 7e fois. Son objectif, parcourir le moins de kilomètres possible pendant les 8 jours de rallye, en pointant par les checkpoints. Seule aide, une carte et une boussole. Hier, Carole Montier présentait son véhicule de course à Villeneuve-d'Ascq. Elle représentera l'association Make-A-Wish qui concrétise des projets d'enfants. Carole Montier, eh bien, on va l'écouter au micro de Pierre Beauville. L'objectif, si on parle en place, c'est évidemment de gagner le rallye, mais c'est vraiment le dépassement de soi. J'avais l'impression en arrivant l'année dernière que j'étais passée par toutes les étapes, que je pouvais écrire un bouquin, qu'il ne pouvait plus rien nous arriver. Et finalement, voilà, c'est un rallye qui est fait d'aventures, de problèmes mécaniques, de problèmes de navigation, d'entraide avec les filles, de rencontres avec les gens, avec les locaux. Et finalement, ça ne s'arrête jamais, quoi.